Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la suite de l'aventure sur A Plague Tale Innocence. On se retrouve aujourd'hui avec Mister Hugo qui s'apprête à aller retrouver sa maman qui est enfermée au sous-sol. On a découvert qu'elle est encore vivante, hein, voilà, on est parti la chercher là. Faut surtout pas que je me fasse repérer, sinon je me fais recapturer et en fait ça relance à ma sauvegarde précédente. Donc là, on part en mode infiltration. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, je vais avoir un petit chiot, un chien, que j'ai été voir ce week-end. J'ai été le voir samedi 23, je crois. Et je l'ai dans 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc dans 17 ou 18 jours, je ne sais plus exactement. Et ce jour auquel j'enregistre, nous sommes le 26-07 et je l'ai pour le 13-08. Donc très 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 content, très hâte d'avoir le petit chiot à la maison. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a du nouveau ou que sais-je. Discutons ensemble. Bref, trêve de bavardage, on va essayer d'aller... à l'endroit. C'est trop grand ici. À l'endroit précis. Donc là, on a vu qu'il y avait un garde. Cinématique. Allez, je me tais. Profitez et profitons de la cinématique. L'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gauthier, avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé? Oui, hélas, monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. Oh là là, ça doit faire tellement mal. Vu la gueule de la seringue aussi, j'aurais pas trop confiance. Hein. J'espère qu'ils l'ont bien nettoyé à chaque utilisation. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Mais pantins comme vous me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il doit tellement avoir peur, Hugo. Donc là, on va devoir le suivre. Ouais, voilà. Il me semble que malheureusement, on ne verra pas qui se cache derrière ce casque-là de Nicolas. Parce que c'est un personnage assez important quand même, hein, on le voit depuis le début de l'aventure. C'est lui qui était en... Oh putain. C'est lui qui gérait l'opération pour capturer Hugo. Ok, donc là. Ad Lucem. Avez-vous vu le grand inquisiteur? Oui,
Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. D'accord, donc lui, il est disposé à bouger. On va pas trop le coller non plus au cas où il se retourne. D'accord, il passe à droite. De toute façon, il n'y a qu'un seul chemin possible. C'est très beau, hein, en tout cas, dans l'église. Je sais pas si c'est une église ou... Je sais pas ce que c'est. Un château ou... Est-ce que c'est un château vu la grandeur ? Félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Je pense pas que je vais pouvoir passer... Ah si, c'est bon, il bouge. Ah oui, mais non. Il y a un mec juste ici. Donc je vais devoir passer de ce côté-là, je pense. En espérant qu'il y ait personne. Aïe, aïe, aïe. Si. Lui, il est là. Ah. Il fait une ronde. On a de la chance. Sinon, on aurait été bloqué. Il s'en va, vite. Ah oui, vite, mais bon. Je fais aussi vite que je peux. J'ai pas envie de me faire repérer. Je pense que je dois passer par là. On tente des moves incroyable. On sprint devant tout le monde. D'accord. Oh non, alors. Un autre chemin, là. Vite. Capitaine, on m'a dit que le porteur s'est abattu là. C'est vrai. L'enfant s'est. Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ses os ont été découpés et emportés par les rats. Est-ce que c'est par ici ? Pour les incorporer à cette. Je pense que c'est là. Que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid ? Ah, c'était hardcore. Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid. Donc lui, il a été bouffé par les rats. Ils sont en train de l'étudier, je pense. Faisant rien. Incroyable. À la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre pour ne former. Ok, on a réussi à s'introduire dans la pièce suivante, pardon. Des rats sans poils. Où il est ? J'arrive pas à vous entendre comme les autres. Vu qu'on doit les transporter, vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Aide-moi. Alors, eux, ils vont me faire cramer. Ouais. En silence, il y a des gens qui travaillent. Oh là là, j'espère qu'il m'a pas repéré lui. Je vois qu'il s'abaisse. Aïe 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 aïe. Non, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer. Ok, parfait. J'ai eu chaud. Hein. Oh bah là aussi. Savourez ce repos. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race. Donc eux, ils vont se sacrifier ou ils se sont déjà sacrifiés? Ouais, ils sont déjà morts. Hein. On voit le sang qui coule de leurs veines. Votre fierté. C'est horrible. Alors je pense que je vais devoir aller. Elles sont en train d'agoniser quoi. Il y a les rats juste en dessous. Je vais pas trop perdre mon temps ici, quand l'autre il se retourne. Je me demande s'il sait que je le suis. Si je pense pas, son mais bon. Fils avec une lame sous la gorge, elle coopérerait. Ouais, effectivement. Sauf qu'elle le voit pas.
le seigneur Nicolas, la mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Ah, est-ce qu'il serait parti pour la torturer? Ah, ça c'est pas cool, je vais me faire la porte au nez. Malpoli, y va. Bon. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Oh, Arthur. Mais qui c'est qu'on suivait alors? C'est lui, il est là. Ah ok, là, il est passé là. Chut, je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste. Oh, merde. Tu te prépares. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ramasser? Non, hein, je pense pas. Je parlais avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions? Oh, on va écouter ce qu'ils se disent, hein. M'en voulez-vous encore pour votre époux? Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Non, il revient. Cache-toi. Tout ça pour ça, il est venu faire un petit discours là, la menacer. Et il va se retaper le chemin inverse. Il est venu pour 2-3 paroles. Super. Hop. Maman. Oh. Maman. Hugo. Mais... Oh, elle est salement amochée. Amicia disait que t'étais morte. Mais c'est faux. Amicia. Mon petit. S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non, je reste avec toi. Oh, Hugo. Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. Maintenant, va falloir trouver un endroit... Enfin, moyen de la faire sortir. Hugo, on va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire? Bien sûr. Alors vas-y. Allez. Elle a les avant-bras en sang, les mains en sang, fais attention. Les gratinés au visage. Reviens dès que tu as les clés. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur. Alors là, on voit qu'il y a les lumières, donc il doit avoir des rats quelque part. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de contenter. C'est quoi? C'est quoi ça? Oh mais merde, je pensais que je pouvais passer à ma droite. Fais attention. Reviens dès que tu as les clés. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures. Et moi non plus. Oui. Reviens-moi. Ouais, j'ai pas le choix que d'attendre qu'ils aient fini de parler. Bon. Donc lui il est là, moi je vais aller là-bas. Bien, bien. Doit être efficace, pas de spectacle inutile. La mer de Rune, douce en surface. Les couteaux sont aiguisés, marteau, pince, tison. Je vois pas à quoi il peut me servir lui. Je vais le laisser là pour l'instant, histoire de d'analyser les lieux. Pas besoin d'elle. Oh merde, comment il m'a vu là? Par où tu vas mon pote? Tu viens par ici ou pas? Non, je continue tout droit, ça c'est une bonne chose. Oh, ça c'est pour les cages.
Donc plutôt de la chance, hein, ils attendent pas. Ils attendent pas que j'abaisse le levier. Je peux monter en haut. Et donc, si je monte en haut, c'est pour aller d'un point A à un point B. Ouais, c'est pour être plus en sécurité, peut-être. Mis à part ça, je vois pas trop à quoi ça peut me servir de monter en haut. Les lanternes, ils vont pas aimer les lanternes. Bon, les gardes, ils se sont barrés. Oh, ça marche. Je suis en train de chercher le chemin. Le bon chemin. Parce que là, si je passe, faut que je les écarte. Je suis mort. Hein. Ah, c'est peut-être à ça, du coup, ça va servir les échelles. Peut-être. Et que là, je vais peut-être pas pouvoir passer. Quoique, on essaye. Allez hop! On a réussi. Non, c'est pas ici. Qu'est-ce que... C'est pas ça non plus. Ah, bah alors là, je vois pas trop ce que je dois faire. Hein. Qu'est-ce que je dois faire, bordel ? Ah, la clé elle est là, ok. Ok, la clé elle est derrière moi en fait. Mais je peux pas plus le retourner. Et celui-ci il y a un mur, mais est-ce que... Non. Là faut trouver un moyen de pouvoir aller prendre la clé. Hein. Ça doit peut-être se jouer avec lui. Ouais, exactement. Ouais, on va peut-être plus le mettre là. Et là, faut retourner à la cellule. Donc, je pense qu'on va se refaire un petit coup de piotte pour se libérer le passage. Une fois le passage libéré, oulala, ce sera peut-être pas possible de passer comme ça. Là, hop, il y a devant le trou. Ah oui, avec là. Votre lanterne, peut-être. J'ai réussi. Tout seul. Donc là, j'étais pas bon. Je dois prendre notre lanterne. Au final, pour la mettre ici. Voilà. Celle-là, on la remet comme tout à l'heure. Devant le petit trou. Je suis bon, je pense. Là, ok. Ah mais... Ils font chier, dis donc. Alors, plus là, alors. Maintenant. Bon, normalement, on est bon, là. Au bout d'un moment... Voilà, allez. Oula. Ils te feront plus mal, maman. Mon héros, comment tu te sens? Ta tête? Elle parle tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit?
Elle dit que... elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Là, ça devient intéressant. La macula prend tout son sens. Est-ce que tu les entends ? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la dans ta lumière. D'accord. Et voilà. Aperium, Hugo peut désormais contrôler les rats. Maintenez LT pour viser, puis maintenez RT pour appeler les rats à l'endroit visé. Forcément. Ok, je voulais juste vérifier. Je voulais juste vérifier si, si je lâchais le truc, est-ce qu'il allait nous mordre ou pas. Pratique. Cours, gros bébé. T'as peur, hein? Hugo, ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, maman. Ah, mais lui, c'est un petit bonhomme, donc... Alors, lui, ça l'amuse, forcément. Ça, ma maladie? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est un don. Je t'expliquerai. Un don. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Là. Ils sont là, les rats. Allez, à la niche. Laissez-nous passer. Mais non, ça déconne. J'étais à la lumière. J'espère que je vais pas reprendre la cellule. Non, ça va. Pratique, hein, franchement. Oh, les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça? Donc là, on va virer la lumière puisqu'on peut les contrôler. On les enverra sur le mec, je pense. Non. Peut-être de l'autre côté alors. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Bon. Là pareil, je les ai contrôlés, je sais pas pourquoi je suis mort. Peut-être qu'il y en avait trop qui peut contrôler qu'une petite poignée pour l'instant. Bah non, donc il y a eu un problème. Bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi si ça ne va pas. Oui. Je repasse. Attendez. Ah non.
Je pensais que c'était le même endroit que d'où je viens. On s'en sort petit à petit là. Pourquoi je sais faire ça? C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Amicia, elle sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein. Oh oh. Chère Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez, laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo? Ta famille s'agrandit? Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre? Allons, allons. Vous n'avez encore rien. Tu combats ou pas? Ouais, vous libérez des rats. Tu es là. Hugo, le roi, c'est le seul moyen. Dis au revoir à ta mère, petit. Ok, très bien. Ça, il y en a tellement qu'au final, on va très vite pour les tuer, je peux les tuer par plusieurs. Par deux, par trois. Le point de départ de la conjuration. L'empire des bols. Pourquoi vous faites ça? Marchez! Écoute-moi! 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 Maman! Je ne sors pas! Il y aura une réponse pour celui qui a tué. Sois courageux! La prima. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de me torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez. Ok. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Grâce au pouvoir de Hugo. Alors, il y a un archer là-haut. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Hugo, réponds-moi. Hugo, tu m'entends? Je t'en prie. Il est puissant, mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux, mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai
parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Vraiment une ordure, lui. Chapitre terminé. Reminiscence, chapitre 15. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. Un mois plus tard, on n'a toujours pas retrouvé le petit duo. Janvier 1349. Avant les autres, les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Bien, quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si ça vous a plu. Et nous on se retrouve pour le dernier ou l'avant-dernier, un des deux, chapitre.